à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Deuxième jour de l'installation de la cuisine, ça y est, elle devrait être finie. On va monter voir ça et découvrir. Bon, on a bien vu hier, il manquait plus grand chose, mais bon, on va pouvoir tout déblayer et tout faire tout beau, tout nettoyer pour de bon. On est trop contents. Ma mère est en train d'essayer, et avec Ella, la nouvelle application que tout le monde fait là, sur les réseaux sociaux où ça te vieillit. Bon, on est à l'atelier, tout est terminé, c'est trop joli. On est trop content, on a tout nettoyé, là on va redescendre pour manger. C'est canon, franchement. Donne ton ressenti, mon cook. Je vais pleurer, je pense. Non, c'est trop beau. Je l'imaginais. Tu te rends compte que là, tu vas travailler là, d'ici deux semaines. Ouais. Non, j'arrive pas à réaliser. Il nous manque du coup la plaque de cuisson. Mais Nico vous expliquera ça. On l'a, mais on peut pas l'installer, parce qu'il faut qu'on fasse réparer la pierre. Enfin, ouais. Nico vous explique tout ça dans son vlog, mais c'est cool. Bon, alors regardez ce que Nico a fait ce midi avec les légumes du jardin de Babo. Ouais. Oh, un tion de légumes. C'est bon ça. Ça va être une tuerie. Là, ça va nous suffire, mais. Ah oui, dans ton plat, il met l'envie. Et ce genre de joli plat, tu vas pouvoir le monter là-haut. Ouais. C'est ma mère qui t'a... enfin mes parents qui te l'avaient offert. Ah bah non, il va avoir que des cadeaux comme ça. Ah bah ouais. Des cadeaux. Des cadeaux cuisine. Bon, j'ai mis là la sieste. Il y a une demi-heure, elle s'est endormie. L'avantage depuis qu'elle a été malade, c'est qu'elle refait la sieste. Ça ne va pas durer, mais elle a repris l'habitude de la faire et c'est mieux, je trouve, parce qu'elle est. Elle finit la journée beaucoup moins fatiguée. Bon, après, on suit un peu ce qu'elle a envie. Hein. Si elle n'a pas envie de la faire, elle ne la fait pas. Mais là, vu qu'on sort ce soir, on va manger tous au resto. On lui a dit que c'est très bien de la faire. Et puis, en fait, elle s'est endormie direct. Donc, c'est parfait. Je suis en train de me faire un petit cappuccino. Je ne suis pas maquillée encore. Ouais, donc la cuisine, c'est bon. Magnifique, trop belle. Nico est direct. On a tout nettoyé. Tout rangé et Nico est remonté là pendant que je gardais là. Regardez mon petit cappuccino, il est pas trop mignon. Il est remonté pour faire les vitres, commencer à installer ses petits trucs et tout. Et pour l'instant, il manque la plaque de cuisson parce que le réparateur de la pierre il vient vendredi, donc on peut pas poser la plaque tant qu'il n'y a pas la pierre qui est réparée. Et il manque la hotte. Alors là, c'est pas la. Enfin, sa faute à pas de chance, il y a eu des grèves en fait en Corse dans tous les ports, ils font la grève depuis plusieurs semaines et du coup comme pour le lino, le roi Merlin, ils avaient vachement de retard, les livraisons sont bloquées au port de Marseille et tout, enfin ça a pris un retard monstre les livraisons et du coup la hotte n'a pas été livrée à temps, donc on la reçoit la semaine prochaine et il y a un poseur qui vient nous l'installer, donc c'est pas trop dérangeant. Au pire Nico il peut commencer à cuisiner même sans hotte, mais c'est surtout la plaque de cuisson, on va devoir attendre vendredi avant qu'il attaque. De toute façon, je pense qu'il attaquera pas avant lundi. Mais ça y est, c'est une nouvelle vie qui commence. Moi, je travaille sur le site internet à côté. Alors pour l'instant, j'ai pas fait encore grand-chose. Hein. Je suis en contact avec la personne qui va nous faire le site. Et on va faire comme ça des échanges. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pensé l'architecture du site. Mais je vous ferai une vidéo sur la chaîne de Nico, parce qu'on a beaucoup de questions, et quand j'ai créé la boutique, j'ai eu beaucoup de questions aussi. Du coup, je vous ferai une vidéo sur tout le, voilà, ce process d'élaboration de site internet, même si c'est pas moi qui l'élabore, je vais participer quand même pas mal à l'élaboration du site dans le contenu, quoi. Donc je vous expliquerai comment ça se passe, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Voilà. Donc du coup, moi je suis posée là, sur ma petite table, je travaille, et... puis voilà, là j'arrive à trouver un petit rythme. Ma mère reste encore un moment, on sait pas quand elle va repartir exactement, mais mon père lui part vendredi parce qu'il doit rentrer, il a du boulot et mon père il est à son compte aussi, donc il travaille de la maison, donc il arrive à travailler d'ici, mais vu notre connexion il a quand même beaucoup de mal et puis on savait qu'il allait rentrer plus tôt. Ma mère elle part avec moi en déplacement à Paris la semaine prochaine avec Ella. Première fois que j'emmène en déplacement, je suis trop contente. Elle est toute contente aussi, donc c'est cool. On va faire un truc sympa en plus, donc voilà. Et ensuite, je pense qu'elle va rester encore un petit peu en fonction du travail qu'on a. Donc voilà, elle me dira quand est-ce qu'elle repart. Mais pour l'instant, je sais qu'elle reste encore une semaine, 10 jours quoi. Pour l'instant, et après on verra comme elle veut quoi. Mais c'est vrai que c'est pratique, j'ai trouvé mon petit rythme. Mes parents, ils s'occupent d'Ella souvent le matin, l'après-midi, elle dort. Et du coup, moi, je me lève tôt. Avant tout le monde, je travaille,
Après, bah là, jusqu'à présent, il y avait l'atelier et ou sinon je m'occupais d'Ella. Mais là, maintenant que ma mère est là, ben, j'ai envie quand même aussi de profiter d'elle. Donc, je vais essayer de m'organiser. Mais j'arrive à travailler tôt le matin et pendant la sieste pour l'instant. Donc, c'est bien. Vu que l'été, c'est quand même plus calme. Même si avec l'atelier, non. Mais voilà, c'est, j'arrive à trouver quand même une organisation. Et là, elle vient de se réveiller. Bon, on se retrouve plus tard, on est en voiture. Je suis toujours en train d'exporter mon vlog, hein, histoire de ma vie l'été. Et là, elle est toute belle avec sa robe bleue et sa petite coiffure. Bon, elle boude encore, petite. On est descendu plus tôt, il est 18h. On n'a pas beaucoup de temps en fait. J'aimerais acheter des chaussures à Ella parce que j'ai acheté deux paires il n'y a pas longtemps, mais il y a une paire qui ne lui va pas. Non, on arrive. On est arrivé dans une seconde. Et du coup, il faut que je rachète absolument une paire de sandales parce que celle-là, elle les a tuées. Ce soir, on va au restaurant avec nos quatre parents. On les emmène au restaurant qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, le restaurant Akazette, qui est pas très loin d'Ajaccio. Et qui est trop trop bon. Donc on va se régaler en famille. Mais du coup, nous, on est partis avant et eux, nous vont nous rejoindre après. Donc c'est bien. On a un peu de temps pour passer prendre des chaussures. Et Nico, on va sûrement passer à Leclerc pour... un rendez-vous, mais ça va être rapide, je pense. On va voir. Ouais, si on a le temps, sinon c'est pas grave. On ira un autre jour. Là, je suis un peu KO. Et là, on a dormi qu'une demi-heure, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et du coup, j'ai pas eu le temps de trop bosser cet après-midi. Ça m'a mis un peu dans le genou. C'est normal. C'est l'été. Et quand on bosse de la maison, c'est toujours compliqué avec les enfants. Donc, j'essaie de m'adapter. Je bosserai ce soir. Et je veux surtout que mon vlog exporte en temps et en heure parce que j'aime pas mettre les vlogs en retard et l'été ils sont souvent en retard parce que je manque de connexion. Regardez, je vais trouver une belle paire de tropéziennes qui est en solde à 35€. Elles sont trop jolies. Et je vous montre, du coup j'ai trouvé aussi deux paires chez Zara qui font l'affaire pour finir l'été aussi. Chez Zara c'est du 26, donc bon, ça avait l'air de tailler grand, là c'est du 27. Et là elle fait du 26-27 en fonction des marques. Je vais trouver cette paire que je trouve trop cool, le truc de Dan et tout, je fais un haul. Non, on va manger dans un resto. Bien mieux que la Burger King. J'ai pris cette paire, c'est des petites chaussures un peu compensées, roses, c'est des mini et c'est des scratchs devant, derrière. Des velcro. Des velcro, n'importe quoi, Nico dit des velcro. Et elles sont trop mignonnes. Et voilà, ça, typiquement, on va les mettre et les remettre, je sais. Dites-nous en commentaire si vous êtes team scratch ou team velcro. Ouais, team scratch ou velcro, franchement. Moi j'ai souvent dit scratch, mais le vrai mot c'est velcro. Pour moi, c'est les Canadiens qui disent velcro. Ou les Belges, c'est pas un mot de chez nous, ça. Non, ouais. Hop, et j'ai pris cette paire aussi chez Zara, qui est très jolie. Et voilà, ça fait un peu plus habillé, pour mettre des petites robes et tout. Je suis très contente, ça fait 3 paires de chaussures. Oui. Non, et là j'attends qu'il m'appelle. Donc voilà, les chaussures c'est bon, c'est fait, au moins on est tranquille parce que ben, elle a grandi, elle a pris une taille et ça venait un peu compliqué. On arrive au resto Akazette. Très foie gras, je crois que tu te fêtes ton filet de bœuf. Ah, en fait, l'ouverture de l'atelier ce soir. En fait, l'ouverture de l'atelier pour de bon pour Nico. On est en train d'être servi. Je me dis, parce que moi je pensais qu'il vaut mieux le faire tout de suite. Hein. Le travail, il est arrivé. T'as des bons goûts, ma chérie. Bonne soirée avec nos parents, c'était très très bon. On a beaucoup trop mangé. Là c'est n'importe quoi, faut qu'on se reprenne en main, faut qu'on reprenne le sport, faut qu'on arrête les conneries. Là c'est vraiment n'importe quoi. À chaque fois qu'on part en vacances, quand on revient de vacances, on a trop du mal à se remettre dans un bon mood. On est trop des épicuriens, je crois. C'est difficile. Bref, et là, c'est endormie dans la voiture, elle a tenu quand même jusqu'à minuit moins 20, comme ça. Donc je pense que demain on va peut-être dormir un petit peu, ce serait bon. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Bientôt on vous montre la cuisine dans le vlog de Nico qui sera en ligne du coup vendredi. Vous aurez la révélation vendredi dans le vlog de Nico. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.